Dans la version payante de DaVinci, il y a un filtre, un effet très intéressant pour l'audio, dans le sens où vous recevez des rushs, la prise de son est très mauvaise, à savoir le niveau de son est très faible et il y a surtout, donc l'intensité est très faible, mais surtout il y a plein de bruits parasites dans la qualité donc du son. L'ingénieur du son n'a pas fait attention dans sa prise de son. On va pouvoir utiliser le filtre Voice Isolation donc de DaVinci, qui est donc une IA très très intelligente, qui enlève en fait, vous allez voir, tous les bruits extérieurs. Là, j'ai fait exprès de faire quelque chose de très ou dans lequel il y a beaucoup de bruit, il y a de la musique, il y a de la basse. Là, vous allez vous rendre compte que cette IA va permettre d'isoler la voix. Donc cet outil va être très pratique quand vous avez par exemple une prise de son qui est bonne, mais il peut y avoir une légère soufflerie ou une légère ronflette. Avec donc cet effet Voice Isolation, hein, vous allez pouvoir avoir un son d'une qualité parfaite. Je viens d'enregistrer, je suis dans un environnement hostile, il y a plein de musique autour de moi. Déjà, dans un premier temps, je vais donc normaliser mes niveaux audio, je vais les mettre ici à moins 6. DaVinci, vous avez vu, a donc normalisé les crêtes hein, à moins 6. Donc si je lance en lecture, vous avez écouté, hein, vous avez entendu, on entend la musique, on entend la basse, on entend tout. Donc ce que je vais faire, c'est une fois que maintenant que j'ai normalisé mon son, je vais faire un clic droit et je vais aller donc dans Audio et je vais faire Voice Isolation. Et là, vous allez vous rendre compte que DaVinci va enlever tous les bruits extérieurs à ma voix. Et là où c'est extraordinaire, c'est que ma voix n'est pas enlevée puisqu'on a quand même les fréquences de ma voix. Donc là, l'IA est très très performante dans DaVinci.